Ésaïe 43, verset 11 au verset 13. Alors, il y a de plus en plus de gens qui disent que Jésus n'est pas Dieu. Alors, s'il y a une abomination qu'il faut, n'est-ce pas, dénoncer avec beaucoup de force, c'est bien celle-là. N'est-ce pas, s'il y a une hérésie qu'il faut combattre avec beaucoup de force, c'est bien celle-là. Parce qu'ils disent que, mais comment, des gens que j'ai connus, comment il peut être Dieu alors que la Bible dit qu'il est prophète, n'est-ce pas? Parce qu'ils ne comprennent rien. Dieu dit dans Ésaïe 43, 11, c'est moi qui suis Yahvé. L'Éternel ici, c'est Yahvé. D'accord? Alléluia. Et Dieu dit, et à part moi, il dit quoi? À part lui, à qui? Qui d'autre? Il n'y a point d'autre qui croit que Dieu ne peut pas mentir. Ok, je vous pose la question, qui parle ici? Dieu, qui est d'accord que c'est Dieu qui parle ici? Ok, écoutez, le nom éternel ici a été traduit, en fait le nom Yahvé. Yahvé, oh. C'est ça, hein? Ouais. A été traduit par l'Éternel dans la Bible de Olivetan, le cousin de Calvin. Mais avant Olivetan, Olivetan était le cousin de Calvin, il est le premier à traduire toute la Bible en français. Et c'est lui qui va traduire le nom de Yahvé en Éternel. Et avant lui, on utilisait plus le nom de l'Éternel, de Yahvé. Et ici, Dieu dit par la bouche du prophète Ésaïe, 8e siècle avant Yeshua, que il est Yahvé, c'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement de jour ni fin de vie. Et il se présente comme étant Yahvé et il dit que à part lui, il n'y a pas d'autre sauveur. Nous sommes d'accord. Donc il n'y a pas de sauveur. Ok. Vous allez dire que ça, c'est juste une parenthèse avant que je ne rentre dans ce que Dieu m'a donné pour nous. Vous allez dire que Jésus n'est pas Dieu. En même temps, vous l'appelez Seigneur. Donc là, il y a une contradiction. Vous êtes d'accord? Ok. Dieu dit, à part lui, Yahvé, il n'y a pas d'autre sauveur. Ok. Bon. Allons voir. Dans Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Oh, Dieu est magnifique. Nous lisons verset 67. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple et nous a suscité qui? Non, je n'ai pas entendu. Un puissant sauveur a été suscité où? Dans la maison de? Donc en Israël. Alléluia. Et quel est le nom de ce puissant? Non, j'aime la parole de Dieu. Dieu, dans Ésaïe, dit qu'il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Et ce même Dieu remplit Zacharie 800 ans après. Ésaïe, ce même Dieu remplit Zacharie de son esprit et il lui demande de déclarer cette parole en disant que Dieu a suscité, on a rajouté, un puissant sauveur. Alléluia. Et frère, allons voir. 1 Timothée
chapitre 10, 4, chapitre 4, verset 10, nous allons tous le lire à haute voix. Je crois que dans les prochains jours qui arrivent, là, on va développer encore sur la divinité de Yeshua. Timothée 4, 10, nous allons le lire à haute voix tous ensemble. Si vous êtes 1 Timothée, chapitre 4, verset 10. 1 Timothée 4, 10, on peut y aller tous ensemble. 1, 2, 3. Nous travaillons, en effet, et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Oh! Qui est le sauveur de tous les hommes? Non, c'est qui? Non, d'après ce passage-là, qui est le sauveur de tous les hommes? C'est le Dieu vivant. Ok. Même si Jésus n'est pas Dieu, ça pose un problème. C'est que Dieu a un problème. Vrai ou faux? On nous dit qu'il y a un seul sauveur. Mais bizarrement, aucun prophète n'a été appelé sauveur. Alléluia. Ok. Alors ils vont dire non mais vous comprenez parce qu'il est prophète, alors pourquoi il parlait à Dieu en même temps, tout ça là. Mais vous êtes dans la confusion, mes amis là. Il ne faut pas approcher la Bible avec son intellect. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Mais pourtant, les gens meurent. Comment vous allez comprendre cette parole-là? Alléluia. Celui qui mange ma chair ne mourra pas. Ceux qui ont eu une approche intellectuelle ont quitté Jésus parce qu'ils ont dit « il est fou ». Celui qui ne boira de mon sang n'aura pas la vie. Ils ont dit, mais attends, mais là, il y a un problème, là. Ça veut dire que la parole de Dieu, si vous n'êtes pas rempli de l'esprit, vous allez mal la comprendre. Ouais. Donc, c'est Jésus qui a sauvé les enfants d'Israël de l'Égypte, de Pharaon. C'est Jésus qui s'est révélé à eux comme étant l'ange de l'Éternel. Il y a un livre qui va sortir, si Dieu le permet, d'ici la fin de l'année, sur la révélation de Yeshua. Hein? Ah, que Dieu nous aide. Chrétiens, vous devez savoir qui est Christ, qui est Yeshua, qui est notre Dieu. Donc, nous sommes dans Ésaïe, chapitre combien? Verset. Ok, surtout le verset 13 que nous allons développer. Ça, c'était juste pour nous faire un petit coucou. Je le suis dès le commencement. Hein? Donc Dieu dit, c'est moi, au verset 12, hein, qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est pas parmi vous un Dieu. Vous êtes. Jésus a dit quoi aux apôtres dans Acte 1, 8? Mais vous recevrez une heure et vous serez. Mais s'il n'est pas Dieu, pourquoi est-ce qu'il demande à ce qu'on soit ses témoins? Élie n'a jamais dit soyez mes témoins. Élisée n'a jamais dit soyez mes témoins. Dieu dit soyez mes témoins. Il y en a qui sont restés témoins de Jéhovah. Mais ils n'ont pas compris qu'entre-temps, il y a eu. La révélation a évolué, que lui-même s'est incarné. Vous serez mes témoins. Frère, aucun homme ne peut demander aux hommes, à d'autres, à ses semblables d'être ses témoins. On ne peut être que témoin de Dieu. Témoin de sa résurrection. Témoin de guérison et de miracles. Voilà pourquoi vous êtes là, frère, ne soyez pas distrait. Nous avons été établis pour être ses témoins, témoins de Yeshua. Et regardez ce qu'il dit. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Au commencement était, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes.
Et cette lumière s'est faite chair. Or, Jean a été envoyé pour rendre témoignage à la, mais il n'était pas la lumière. Rien de ce qui a été créé n'a été créé. Qui croit que c'est la parole qui a créé tout? Qui croit que Jésus est la parole? Il est dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans qui? Non, sans qui? Non, non, sans qui? Sans Jésus. Oui, c'est la parole. Si j'avais dit sans quoi? Sans la parole. Alléluia. Sans qui? Sans Yeshua. Donc si Jésus est l'auteur de la création, mais si lui-même a été créé, ça pose un problème. Parce qu'il est dit que tout ce qui a été créé par lui, pour lui et en lui. Donc il ne peut pas être créé. Jésus-Christ, homme, a eu un début, il a eu une fin, et il est sorti de la tombe. Mais Jésus-Christ en tant que Dieu, c'est une autre affaire. Et il dit ici que je suis Dieu dès le commencement. Voilà pourquoi Jean a dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous savez, Bouddha ne peut pas affirmer les choses comme ça. Il ne peut pas. Posez-moi la question pourquoi. Parce qu'il est mort. Quel est le nom de ce Dieu qui peut dire qu'il était là dès le commencement? Même Zeus ne peut pas le dire. Les Romains parlent de Zeus, tout ça, c'est bien Zeus. Mais écoutez un peu vous les Grecs, tout ça, les Romains, tout ça. Zeus ne peut pas affirmer qu'il était là dès le commencement. Satan même ne peut pas l'affirmer. Mais Yeshua a dit dans Jean 8 que Satan est un meurtrier dès le commencement. Ça veut dire que dès le commencement, il était meurtrier. Mais Jésus, avant le commencement, il est. Ce n'est pas le verbe être. C'est-à-dire Yeshua. Il est, je suis. Vous comprenez, frère? On lui pose la question par Moïse. Moïse pose la question à Dieu. Mais je veux aller délivrer ton peuple. Si on me pose la question, que dirais-je? Que leur répondrais-je? Quel est ton nom? Parce que moi, j'ai un nom, je m'appelle Moïse. Mais toi, ton nom, c'est comment? Tu me dis que tu t'appelles le Dieu d'Abraham. Mais ce sont des noms. Mais eux, là, ils sont morts. Mais aujourd'hui, là, ton nom, c'est quoi? Il dit, allez leur dire celui qui s'appelle je suis. Parce que Dieu a trouvé juste un mot pour pouvoir, un mot humain pour pouvoir faire comprendre à Moïse qui il est. Mais sinon, il est plus que le je suis, là, frère. Il s'est mis au niveau de, à la hauteur, au niveau de Moïse. Mais le plus important, ce n'est pas forcément, frère, de porter le nom de je ne sais pas quoi. Là. Mais le plus important, c'est l'accompagnement. Quand Moïse est reparti en Égypte, il avait le bâton, il avait sa main. Oh my God. Je méditais la dernière fois la parole de Dieu, vous savez, sur le bâton d'Aaron. Hein? Le bâton d'Aaron, il y avait 12 bâtons. Dis à ton voisin, 12 bâtons. Il y avait 12 princes. Chacun d'eux se réclamait de Dieu. Dieu dit maintenant, amenez-moi les 12 bâtons. Déposez-les dans la tente d'assignation. Le bâton qui va fleurir. Celui dont le bâton va fleurir, c'est celui-là que j'ai appelé. Frère, qui sont ceux et celles qui veulent porter des fruits? Mais vous ne pouvez pas porter des fruits hors la tente d'assignation. On ne peut porter des fruits que dans la présence de Dieu. Alléluia! Frère, écoutez. Oh, alléluia, il y a quelque chose là. Il y a un message puissant que Dieu m'a donné là-dessus, là, frère. Ça a poussé les amandes. Pourquoi les amandes, frère? Ça, il y a quelque chose qui est caché derrière. Mais ça sera la prochaine fois. Alléluia! Tu veux le savoir? Qui veut le savoir, frère? Allons voir. Comme vous avez soif, alors... Et c'est gratuit, hein, tout ça, là. My God. Alléluia. Frère, écoutez d'abord, avant de développer cela. Dieu dit, j'agirai, qui s'opposera? Waouh! Non, dis à ton voisin, Dieu va agir.
Non, dis-lui, tu agiras. Personne. Non, il n'a pas entendu personne. Personne ne peut s'y opposer. Dieu a décidé d'agir. Frère, tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour être dans la médiocrité. Tu n'as pas donné ta vie à Jésus pour être embêté par les démons, par les sorciers, par la maladie. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne sers pas n'importe quel Dieu. Écoutez, si Dieu associe l'opposition, n'est-ce pas, à son œuvre, ça veut dire que toute personne que Dieu appelle pour le servir connaîtra l'opposition. Mais ce n'est pas l'opposition qui doit te décourager. Au contraire, l'opposition est la preuve que Dieu est en train d'agir. Oh my God, hallelujah. Jindala masaya la kabasha la 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 la. Écoutez, écoutez l'illumination. Je me laisse enseigner en même temps que vous, hein, comme d'habitude. L'esprit est excité à moi, frère. Écoutez, Paul dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés. Donc, si tu sens une opposition dans ta chair par rapport aux choses de Dieu, ça veut dire que Dieu est en train d'agir. Et laisse-moi te dire que la chair ne peut plus s'opposer à l'œuvre que Dieu a commencé dans ta vie, dans ton ministère. Mon frère, ma soeur, si tu sens de l'opposition quand Dieu te dit va prier, c'est un bon signe. Oh, si tu sens de la fatigue, quand Dieu te dit lève-toi et prie, c'est un bon signe. Ça prouve que Dieu a commencé à agir. Mais frère, Dieu dit qu'il peut s'opposer à ma volonté. Oh my God. La première opposition, là, c'est la chair, c'est ta chair. La chair se dresse, elle dit non, 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 tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas chanter comme les autres. Tu ne peux pas adorer Dieu comme Paul. Tu ne peux pas impacter ta génération comme Charles Finet. Frère, lève-toi. Pourquoi? Parce que la chair a déjà été vaincue. Jésus est venu. Dieu, oh, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il domine la chair. Oh my God, hallelujah, hallelujah. Jesus. Hey, mes amis, oh, quelle que soit ta chair, quelle que soit ta culture, quelle que soit ton éducation, je veux te donner, oh my God, te dire, t'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un dont le nom est Yeshua, le Dieu d'Abraham, parce qu'il a voulu vaincre la chair adamique, ce Dieu a pris cette même chair. Pendant 33 ans, il a vaincu la chair. Pendant 33 ans, il a dominé la chair. Il a été tenté comme toi, mais il n'a pas chuté. Il a été, oh my God, la sirène des œufs est venue pour le séduire. Mais il n'a pas cédé, frère. Les prostituées sont venues, frère. Elles se sont converties. Les sorciers sont venus. Oh my God. Shalabalabala shakalaba. Oh non, frère. On dit non, la culture française est difficile. Ils sont trop dans le raisonnement, frère. Je veux te dire une chose et une bonne nouvelle pour les Français de souche. C'est que la chair a déjà été vaincue, frère. La Bible dit, Yeshua, frère, est allé sur la croix. Il a crucifié la chair. Donc ta chair, tu dois lui rappeler sa défaite à la croix. Quelles que soient les études que tu as faites, même si tu as bac plus 100, tu vas manifester une onction comme pas possible. Parce que Dieu va tellement briser ta chair, tu vas tellement mourir, que quand l'esprit en toi va être réveillé, gare aux sorciers, gare aux démons, frère. La chair s'oppose. À part la chair, ta chair, il y a aussi les autres chairs. C'est-à-dire tes voisins, tes compatriotes. Et alléluia, ta famille, ta patrie. Frère, les gens vont s'opposer. Ils vont dire non, ce n'est pas lui. Pourquoi elle? Frère, Dieu dit dans Psaume 23, il dresse une table devant toi. Et il convoque toutes les chairs qui s'opposent. Il les convoque, tous tes amis là, il les convoque. Il leur dit maintenant, asseyez-vous en face. Et regardez comment je veux maintenant, n'est-ce pas, justifier. Comment je veux oindre ma fille? Comment je veux oindre mon serviteur? Regarde, frère, il y a une table qui est dressée devant toi. Tu ne la vois même pas, mais elle est là, elle existe. Alléluia! Dis à ton voisin, il faut aimer l'opposition. Non, il n'a pas entendu. Il faut aimer l'opposition. Non, il n'a pas entendu. Il faut aimer la guerre. Il faut aimer la guerre. Car
Tu es un guerrier. Non, il n'a pas entendu. Dis-lui qu'il est un guerrier. Quel est le nom de notre papa? Non, il se présente aussi comme étant le Dieu des armées. Frère, nous sommes dans une armée, frère. Et tu dois réaliser cela. Alléluia. Oh, j'agirai. Dis à ton voisin, Dieu agit. Non, dis-lui, Dieu agit. Dis-lui, il a entendu ton cri. Dis-lui, il est en train d'agir. Dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, dans ton cœur. Il a commencé d'agir. Alléluia! Tu n'as pas compris pourquoi quand tu commences à vouloir craindre Dieu, c'est là que les pensées impures viennent encore. C'est un bon signe. Qui peut s'opposer à l'action de Dieu dans ta vie? Qui peut s'opposer à l'onction divine sur ta vie? Qui peut s'opposer au ministère des prophètes? Qui peut s'opposer au ministère de la guérison, frère? Dieu dit, personne. Jesus, il y a quelque chose qui arrive ici. Il y a quelque chose qui arrive ici là. Oh, la chair est en train de lâcher. Oh, alléluia. La peur, la panique, la timidité va te lâcher aujourd'hui, frère. Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Gantanamba la chalalalala kasaka. Jesus. Dieu dit Moïse, Moïse, à la naissance de Moïse, frère, les hommes se sont opposés. Pharaon s'est dressé contre Moïse et il a décidé que tous les enfants, mes amis, devaient tuer. Et parmi ces enfants, il y avait Moïse. Mais le problème, c'est que Dieu avait commencé d'agir dans la famille de Moïse, dans la vie de Moïse, frère, quel que soit le décret de Pharaon. Parce que Dieu avait décrété que Moïse serait son serviteur, frère, quel que soit les décrets des hommes, Dieu agira dans ta vie. Il minimise ton pharaon. Il minimise ton pharaon. Oh my God, hallelujah. Jinda laya saya la kasaka la basheka. Jesus, la chair, l'opposition. Galates 5, l'opposition. Oh mes amis, écoutez bien. À part ta chair et tes amis, tes proches, il y a aussi les démons. Ils ne peuvent attaquer que celle ou celui sur qui tu as posé sa main. Oh oui frère, Satan ne combat pas Satan. La parole le dit, Satan n'est pas divisé. Donc si tu es agressé dans tes pensées par les démons, sache que Dieu a commencé à agir. Si tu sens que ta famille est combattue, sache que Dieu est en train d'agir. Les démons sont agités. Les démons ne peuvent que s'agiter parce que ton onction les dérange. Parce que Dieu a commencé d'opérer. Oh my God, oh my God, oh my God. Ils peuvent toucher tes amis, ils peuvent toucher tes proches, ils peuvent toucher ta femme, ton mari. Mais tu ne dois pas baisser la garde, mon frère, parce que tu es un guerrier, parce que tu n'es pas n'importe qui. Oh, alléluia, plus dur est ton combat, grande sera l'onction, alléluia. Oh my God, alléluia, 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 alléluia. Jesus, sakalaba, shakalabakara. Plus tu verses les larmes, plus ta couronne sera grande au ciel. Oh my God, hallelujah. L'opposition des démons. Les démons connaissaient Paul. Les démons te connaissent également. Quand ils se retrouvent dans le monde spirituel, ils se disent, il y a une femme là-bas, il y a un homme là-bas en France qui nous cause beaucoup de problèmes. Allons le tuer. Quand ils viennent, frère, ils trouvent l'ange de l'Éternel qui campe autour de toi parce que tu crains Dieu. Hallelujah. Jesus. Oh my God. Jesus, tu vas changer de vision, ma fille, te dit le Seigneur. Tu vas changer ta vision. Tu ne vas plus t'arrêter sur les dires des hommes. Tu vas te focaliser sur l'œuvre de l'Éternel des armées, frère. Il est dit dans Deutéronome 28, 7, l'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Oh my God, alléluia, alléluia. Frère, tu n'as encore rien vu.
pourquoi tout le monde se dresse contre toi? Pourquoi cela? C'est normal parce que l'onction est nouvelle, parce que l'onction les excite, parce que la guerre est déclarée, parce que Dieu est en train d'opérer, il est en train d'agir. Il dit personne ne peut s'opposer. Oh my God, j'agirai. Qui s'oppose? Il dit qui? Il n'est pas encore né celui qui va s'opposer. Il n'est pas encore créé celui qui... Oh my God! Il n'est pas encore présent. Il ne le sera jamais. Oh! J'agirai. Jésus dans Jean 5, 17, il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi, j'agis. Jesus, aujourd'hui, c'est la délivrance de beaucoup. Aujourd'hui, c'est la restauration de quelqu'un. Aujourd'hui, c'est la... Oh, Dieu va te donner les vitamines spirituelles, ma soeur, mon frère. Tu vas retrouver ta communion avec Dieu. Tu vas retrouver ton intimité. Tu vas retrouver ton premier amour. Tu vas repartir boosté, rempli de feu, de gloire, au nom de Yeshua. Oh, mon Dieu. Une autre position, à part les démons, la maladie. La maladie. Oh, il a reçu le nom Yeshua, qui est au-dessus de tout nom. Ta maladie porte un nom. Certainement pas le nom de Yeshua. Ta maladie porte un nom. La confusion porte un nom, frère. Mais je veux te dire une chose, quelle que soit l'opposition. Tu es là, tu te dis, Seigneur, tu m'as appelé, mais pourtant je suis malade. Comment veux-tu que je te serve avec cette maladie? Alors je veux te dire une chose. Dieu dit, ma fille, cette maladie n'est plus la tienne. Cette maladie n'existe plus dans ta vie. À partir de maintenant, elle sèche au nom de Yeshua. Elle est brisée, elle est renversée au nom de Yeshua. Alléluia, Jésus. Oh! Oh! Une autre opposition, le péché qui s'oppose. Mais Dieu dit, ah non, le péché a déjà été vaincu, le péché. Sur la croix, triomphé. Fini! Fini! La religion s'oppose à toi. Les religieux s'opposeront à toi comme ils se sont opposés à Paul, à Jacques, à Étienne. Toi qui as reçu le message du temps. Dieu a commencé d'opérer dans ta vie des choses nouvelles. Et tu vas remarquer qu'il y a une opposition autour de toi. Des pensées impures, des gens qui se dressent, des hommes qui se lèvent. C'est un bon signe. Ça veut dire que Dieu a commencé d'agir. Et Dieu, mes amis, Élie se retrouvait seul devant 850 faux prophètes. Mais il n'était pas seul. Tu ne vois pas l'armée qui t'accompagne. Tu ne la vois pas encore. Mais bientôt, tu vas commencer à la voir, cette armée de l'Éternel des armées. Avec Dieu, nous sommes majoritaires, frère. Oh my yandabaka, shakalalala. Avec Dieu, je ferai des exploits. Tu as été créé pour faire des exploits. Tu n'as pas été créé pour faire du surplace. Tu as été créé pour atteindre tes objectifs. Voilà pourquoi ce soir, Dieu te le dit. Tu arriveras au nom de Yeshua. Je parle à une femme ici. Ta belle famille changera de langage. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Les barbares changeront de langage. Les barbares changeront de langage. Jesus. Jesus. J'agirai. J'agirai. Vous savez, dans le verbe agir ici, en hébreu, il y a la notion. En fait, dans ce verbe-là, Dieu se présente comme le potier. C'est le potier. En fait, il est question de l'œuvre, en hébreu précisément. C'est-à-dire, tu seras l'œuvre de l'Éternel. Il se présente à toi comme le potier. Il a décidé de te former par la souffrance et personne ne peut l'en empêcher. Il a décidé de te conduire de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et à chaque étape, il va te demander. À chaque étape, tu vas pleurer, tu vas gémir. Mais cela ne te conduira pas à la mort. Au contraire, oui, la mort par rapport au péché. Mais tu vas expérimenter la victoire, la percée divine. Tu vas expérimenter le réveil spirituel. Voilà pourquoi Dieu se présente à toi, femme, mon frère, comme le potier. Alléluia. Oh! Depuis ta conversion, il a décidé de te former. Il a décidé de changer ton comportement, de changer ton caractère, de changer ta nature. Et aucun pasteur ne peut s'y opposer. Même si un pasteur te dit, ne va pas écouter ce monsieur, ne va pas écouter cette parole, tu n'as pas le choix. Femme, femme, voici le feu sur toi. Oh, il y a une onction prophétique sur toi, ma fille.
te dit l'Esprit de Dieu, il y a une onction prophétique sur toi. Oh! Jesus. Jesus. Des pasteurs vont se lever contre vous pour vous empêcher d'écouter le message du temps. Mais au fond de votre chambre enfermée, vous allez allumer votre écran. Vous allez allumer l'ordinateur. Vous allez écouter le message du temps. Vous allez recevoir l'impactation. Vous allez recevoir l'onction nécessaire pour votre ministère. Jesus. C'est le réveil. C'est le réveil. Ludo, c'est le temps de la France. Gilbert, c'est le temps. Jesus. Jesus. On vous dira, n'allez pas au séminaire, n'allez pas à tel endroit. Mais vous n'avez pas le choix parce que Dieu a commencé d'opérer. Il a commencé par vous transformer, par vous changer. Vous n'avez pas le choix. En quittant le travail, vous courez. Oh oui, oh oui, il n'y aura même pas la fatigue parce que Dieu vous donne la force. Il est en train de vous façonner, de vous former, de vous changer. Oh, il agira, le potier, et tu seras un vase, le vase qu'il façonne, le vase qui va contenir le feu, qui va contenir l'onction, qui va contenir les rouleaux du temps, car nous sommes à minuit. Et les rouleaux sont déversés sur les nations, car les messagers et les messagères doivent se lever et dire, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux. Le Seigneur ne te voit plus assis dans ton bâtiment d'église pour écouter toujours le même pasteur depuis des années, alors que tu ne sais même pas dans quoi Dieu t'a appelé, dans quel ministère Dieu t'a appelé. Il est temps maintenant que tu réalises l'œuvre de Dieu dans ta vie. Tu ne peux plus te taire. Tu ne peux que prophétiser. Tu ne peux que parler en langue. Tu ne peux que chasser les démons. Tu ne peux que prier pour les malades. Parce que Dieu agit. Jesus. 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 Quand Dieu agit, pasteur Gilbert, quand Dieu agit, les mains humaines sont actives. Quand Dieu agit, les jambes humaines se mettent à marcher, à bouger. Quand Dieu agit, les langues se délient. Elles commencent à prophétiser. Quand Dieu agit au ciel, sur terre, son marche-pied est en action. Alléluia. Mantalaya shalalabakalaba shaka. Oh, Jesus. 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 C'est le feu du réveil. Tu ne peux plus t'asseoir comme ça. La Bible deviendra pour toi de plus en plus une réalité, une expérience, une vie que tu vas expérimenter dans le quotidien. Tu ne peux plus t'asseoir comme avant, c'est fini, cette époque est révolue, révolue, révolue. Si Dieu te dit, va dans les métropoles, tu iras parler. Tu n'as pas besoin d'être couvert par un pasteur. Dieu lui-même est en train de parler, d'agir. Tu n'as pas besoin. Oh my God, si Dieu te dit, va dans tel hôpital, va prier, frère. Que tu le veuilles ou pas, femme, tu vas imposer les mains, tu vas déclarer la parole de Dieu. Et tu verras des démons sortir. Tu verras des malades être guéris. Au nom de Yeshua. Qu'as-tu fait de ce don de guérison que Dieu t'a donné? Qu'as-tu fait de ce don de parler en langue, de prophétie? Jesus. J'agirai. Dieu m'a dit, va et libère mon peuple. Et quand le peuple est libéré, ce n'est pas pour qu'il reste assis. Quand le peuple est libéré, ce n'est pas pour devenir encore les proies des hommes. Quand le peuple est libéré, c'est pour traverser la mer Rouge. C'est pour aller à Canaan. Quand le peuple est libéré, c'est pour suivre la nuée. Tu ne vas plus suivre les hommes bêtement. Tu vas suivre la nuée. Tu vas suivre la colonne de feu. La colonne de feu. Et si elle s'arrête, tu t'arrêtes. Si elle marche, tu marches. Alléluia, 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 alléluia. Oh Dieu, j'agirai. Qui s'y opposera? Qui peut s'opposer à Dieu? Il n'est pas encore né. Même pas ton père, même pas ta mère, même pas le président, frère. Un jour, Hérode s'est levé pour s'opposer à l'action de Dieu. Frère, la Bible dit que Dieu a envoyé un ange
qui a frappé Hérode. Il est tombé par terre, les vers ont commencé à manger son corps. Frère, Hérode, quel que soit son titre, quelle que soit sa position, au-dessus de lui, il y a le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Alléluia. Alléluia. Dieu a décidé de te guérir. Aucun médecin ne peut te condamner. Même si la médecine dit qu'il n'y a plus rien à faire, Dieu dit que ce n'est que le commencement, frère. Là où s'arrêtent les hommes, c'est là que Dieu commence. Là où s'arrête l'intelligence humaine, c'est là que Dieu commence, frère. Oh, alléluia. Jindalaya, shalalala, karaba, shakalababa, karaba, sheke. Wow. Jesus. Quand il m'a appelé, il m'a dit, va et libère mon peuple. Il m'a donné des rouleaux. Il m'a dit, des gens se leveront contre toi, mais toi, fonce. Frère, depuis 13 ans, je fonce. Il y a l'opposition, il y a du vent. Frère, mais les nations commencent à être touchées. Il y a le vent, il y a des propos, des langues qui se lèvent. Frère, il y a guérison, miracle, conversion, miracle, le feu. Et c'est ça, frère, l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire, Dieu fait de toi, n'est-ce pas, un pionnier. Tu vas frayer le chemin pour les autres. C'est pour cela que tu ne dois pas t'arrêter sur l'opposition. Tu dois te focaliser sur ce que Dieu t'a dit. Et ce que Dieu t'a dit s'accomplira, frère. Oh, alléluia. Il y avait 11 princes qui s'étaient dressés contre Aaron. Ils ont dit, ça c'est à la tête de ces hommes. Mes amis, il y avait quelqu'un. Corée, il était lévite, comme Aaron. Mais il n'était pas de la famille d'Aaron. Donc il ne pouvait pas être sacrificateur. Et Corée dit, tous les enfants de Dieu sont saints. Et toi, Moïse, tu te lèves au-dessus d'eux. Waouh, frère. Dieu dit, ok. Alors, Moïse, Aaron, amenez-moi les 12 bâtons des 12 princes dans la tente d'assignation. Frère, Aaron n'était pas là pour dire, oh non, mais Corée ne reconnaît pas mon autorité. Frère, on n'est pas dans cette distinction-là. On n'est pas dans cette considération, frère. Nous sommes dans l'arche, nous sommes dans le tabernacle. Aaron amène son bâton. Dis à ton voisin, amène ton bâton. Alléluia! Frère, le bâton dans la tente d'assignation. Je vous dis une chose. Dans la présence de Dieu, deux choses se produisent. Premièrement, ceux qui sont de Dieu ne sont pas consumés par le feu. Parce que la présence de Dieu égale le feu. Ils sont purifiés. Mais les pécheurs, ils fuient. Ils sont écrasés, ils sont consumés. Voyez? Alors, on amène le bâton, les 12 bâtons, dans la présence de Dieu. Frère, regardez, nombre du 7. Oh, Dieu est grand. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi, car il y aura une verge pour chaque chef de maison de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. Pourquoi le témoignage? Frère, nous sommes appelés pour être des témoins. Oh oui. Mais pas des témoins, n'est-ce pas? Et au niveau de, tu sais, verbaux, mais des témoins, n'est-ce pas? Pas seulement des témoins qui vont parler, mais qui vont agir. C'est-à-dire par les signes, les miracles, Dieu va attester qui est établi et qui ne l'est pas. Alléluia. On amène les bâtons. Les bâtons ici étaient l'image de l'onction, de l'autorité, de l'appel. Frère, la Bible dit, l'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures qui profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël et tous leurs princes lui donnèrent une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père, soit 12 verges. La verge d'Aaron était où? Wow! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
d'où 11 princes se sont levés contre Aaron, l'opposition. J'agirai, qui s'y opposera? 11 princes, à la tête desquels il y avait, n'est-ce pas? Bien sûr, Corée. Corée a dit, fini, Aaron, tu ne vas plus nous enseigner la parole. Tu ne vas plus nous diriger. Nous sommes tous frères. Nous sommes tous égaux. Frères! Chaque prince amenait sa verge. Ruben dit, moi je suis l'aîné. Donc forcément, ma verge va fleurir. Alléluia! On vient, on dépose. Judas aussi vient. Moi, le lion de la tribu de Judas, vient de chez moi et dépose. Mais là, ce n'est pas la royauté dont il est question. C'est la sacrificature. Alléluia. Tout le monde amène sa verge. Frère, il est dit quoi? Il est dit quoi? Oh, j'aime la parole. La verge d'Aaron était au milieu. Ça veut dire quoi? Frère, l'opposition. Les gens vont t'entourer. Tu es là et tout le monde t'encercle. C'est psaume 23. Dieu dresse une table devant toi, en face de tes... Ah, hein. C'est le mont Carmel. Ah oui, tout le monde va attendre ta chute. Nous allons attendre. Cette année, c'est sa dernière année. Dis à ton voisin, Dieu aime ça. Cette année, son couple va casser. Mes frères, eux, leur couple se casse. Toi, ton couple vieillit. 95 ans, 12 jours, la barrière. Alléluia! Qui aime l'opposition maintenant? Alléluia! Vous voulez être oint. Vous voulez expérimenter Dieu. Vous voulez porter des fruits. Mais vous refusez l'opposition. Moindre opposition. Je reste à la maison. C'est fini. Je ne veux plus prier. Oh! Tu n'as rien compris encore là. Tu n'es pas encore entouré. Il faut que tu sois entouré. Dis à ton voisin, il faut que tu sois entouré de tes ennemis. Ben oui. Oh Seigneur, tu as vu comment je souffre. Dieu dit, ben je sais que tu souffres. Avant que je te crée, je le savais déjà. Seigneur, dans psaume 50, il est dit ceci. Dieu dit, je sais, c'est moi qui l'ai écrit. C'est comme ça que nous sommes, vrai ou faux? On va le voir avec la Bible. Hein? Seigneur, oui, mon enfant, j'ai la version Martin. C'est la version la plus proche de textes originaux. Tu as dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Dieu dit, je sais. Mais il faut que tu sois entouré. Ah, j'aime la parole de Dieu, frère. Nous voulons négocier avec Dieu des issues de secours. Il n'y a pas d'issue de secours, frère. Il y a une seule porte au ciel. Frère, il n'y a pas... Oh non, il y a une issue de secours par là, on peut rentrer. Non, il y a une seule porte, Yeshua. Il dit, je suis la porte. Et c'est par là qu'il faut passer. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh, Dieu est bon. Regardez. Il est dit, Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, dis à toi le lendemain. Mais il n'a pas entendu. Lorsque Moïse entra dans la tente d'assignation, voici la verge d'Aaron pour la maison avait fleuri. Alléluia. Vous savez, ici, j'ai vérifié que fleurir ici, c'est prospérer. Mais pas la prospérité avec les billets de banque. Hein. Non, comprenez mon langage. Nous sommes contre ce message-là. La prospérité selon Dieu. C'est-à-dire, dans ton ministère, dans ton couple, dans ta vie spirituelle,
tu vas grandir. Et pour grandir, il te faut être dans la présence de Dieu. Vous savez pourquoi il y a l'opposition? Pourquoi l'ennemi s'oppose à nous? Pourquoi Satan s'oppose à toi? Parce qu'il veut te sortir de la présence de Dieu. Il veut te conduire dans la distraction. Ah non, j'ai entendu. Ah non, tu entends tellement les hommes. Dieu t'a dit quoi? Ah non, j'ai entendu aussi. Mais est-ce que tu es allé voir Dieu? Rarement. Rares sont les chrétiens qui vont vers Dieu dans la tente d'assignation pour dire, Seigneur, toi, qu'est-ce que tu me dis? Et en sortant de sa présence, tu vas perdre un an, deux ans, trois ans. J'ai vu des gens sortir de la présence de Dieu à cause de l'opposition, à cause des combats, et perdre 10 ans. Ah oui, je vous dis, hein. Il y en a qui sont revenus me voir pour me dire, frère, ça fait 10 ans que je tourne en rond. Parce que ce que les gens m'avaient dit, ce que Satan m'avait dit, toutes ces choses m'ont sorti de la présence de Dieu. Voilà pourquoi je n'ai pas prospéré. Ah oui. Mon secret, c'est ça. Je reste dans sa présence. Oh oui, frère. Dans sa présence. Vous pouvez fréquenter régulièrement une église locale et être hors la présence de Dieu. Et ne pas être prospère. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Vous croyez que ces réunions de réveil, frère, sont le résultat d'une vie de jeûne de 40 jours? Pas du tout. C'est la présence de Dieu. C'est pour ça que les choses prospèrent. L'opposition est là et Dieu fait prospérer la grâce. Ben oui, tu dois prendre ton bâton et l'amener dans la présence du Père. Ton bâton peut représenter ton mari, ta femme, tes enfants, l'homme que tu veux épouser. Prends ses frères dans l'esprit. Dépose-le devant Dieu. Dis au Seigneur, occupe-toi, papa, de lui. Occupe-toi d'elle. Et toi, continue de faire l'œuvre du Seigneur. Et tu verras, si ce bâton n'est pas de Dieu, il ne fleurira pas. Le lendemain, quand tu vas aller voir cet homme, tu vas trouver des coloquintes sauvages. Tu vas trouver des épines. Alléluia! Oh mon Dieu! Écoute-moi, écoute l'illumination que Dieu te donne. Un pasteur vient te voir et te dit, moi, je suis un homme de Dieu. Je veux commencer mon ministère. Venez travailler avec moi. C'est bien, frère, c'est bien. Laisse-moi te présenter à Dieu. Nous allons nous revoir le lendemain. Amen. Va devant Dieu, frère. Papa, j'ai reçu une proposition. Qu'est-ce que toi tu dis? Je te pose cette question, papa. Je dépose à tes pieds ce pasteur, cet apôtre, ce prophète, cet homme qui veut m'épouser. Maintenant, papa, le lendemain, je reviendrai. Frère, quand tu vas revenir, tu vas trouver la place et les vêtements seulement. Tu vas dire, mais il est où? Il est où? Oh, j'ai entendu ta voix, mais j'ai eu peur, car je suis nu. Il n'est pas à sa place. Alléluia! Mais un vrai enfant de Dieu, tu le déposes au pied du trône. Tu reviens le lendemain, il y a des fleurs. La rose. Hein? Tu reviens comme ça là, une belle rose qui est là, qui t'attend. Et tu vois le frère prostré comme ça en train d'adorer. Oh papa, je t'aime. Mais écoute, on va se marier. Attends encore quelques temps. Attends encore. Je veux l'adorer encore. Oh. Qui apprend quelque chose ce soir? Frère, on n'a pas pris les bâtons là pour aller les déposer devant le pape. Hein?
Monsieur le pape, oui. Chef de l'église de Dieu sur terre, oui, c'est moi. Alors nous venons avec 12 bâtons, discernent qui sont, qui est celui que Dieu a appelé. Écoute, je vois que ce monsieur me soutient beaucoup financièrement. Je crois que c'est vraiment lui, parce que c'est un bon partenaire. Non, on amène tout ça devant Dieu. La Bible dit que le bâton d'Aaron avait fleuri, prospéré. Quelqu'un va nous lire Psaume 92, 13. Vous inquiétez pas, on finit dans quelques minutes. Psaume 92, verset 13. Les justes croissent comme les palmiers. Alléluia. Fleurir ici, c'est croître. D'accord? Croître, la croissance. Voilà. Les gens vont se dire, mais attends, plus nous combattons cette femme, plus Dieu se sert d'elle. Plus nous combattons cet homme, plus Dieu l'élève. Mais c'est normal. Mais si toi, tu t'arrêtes sur les combats, sur les critiques, tu sortiras de la présence de Dieu et tu ne vas pas croître, tu vas diminuer et tu vas perdre la grâce. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu. C'est là qu'il faut rester. Et tu vas fleurir, tu vas croître. La deuxième chose nous dit la parole, ce bâton d'Aaron a poussé, n'est-ce pas? Donc, on nous dit que le bâton d'Aaron avait fleuri, elle avait poussé, n'est-ce pas, des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Pousser ici, littéralement, c'est affranchir. Dis à ton voisin la délivrance. Qui veut la délivrance? Eh bien, c'est toujours dans la présence de Dieu. Oui. Seule la présence de Dieu peut t'affranchir. Frère, j'entends, je regarde sur le, ici et là sur le net, des séminaires de guérison, deux jours de miracles de guérison. Je me dis, waouh! Mais ils ont vraiment une grande foi, ces gens. Parce qu'ils commandent même Dieu. Venez, deux jours de miracles. Waouh! Laissez-moi vous dire, la véritable délivrance se trouve dans la présence de Dieu. Alléluia! Oui! Pousser ici, ça veut dire quoi? Littéralement. Frère, ça veut dire que même si un homme te dit tais-toi, si tu es dans la présence de Dieu, tu ne peux que prophétiser. Combien de fois déjà m'ont dit tais-toi? À un moment donné, je me disais, waouh, j'ai peur, oh Seigneur. Mais une fois que tu entres dans sa présence, c'est fini. Tu es là, tu sautilles comme... comme une sauterelle. Tu te dis, quand je vais sortir là? Et quand on sort, frère, les gens disent, il est encore plus fou. Qui veut porter le fruit? Alléluia! Waouh, Seigneur! Et la Bible dit que le bâton, la verge d'Aaron, avait produit quel fruit? Non, je n'ai pas entendu. Les amandes. Vous savez, la racine de ce mot signifie littéralement le réveil. Waouh. Jesus. J'étais chez moi à la maison quand Dieu me donnait ce message. Le réveil. S'éveiller. Se réveiller. Qui veut le réveil? Allons lire Proverbes chapitre 8, verset 34. Ok, vas-y, vas-y. Proverbes 8, 34, 8, 34. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille
chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Voyez, la racine du mot amande en hébreu donne veiller. Se réveiller, s'éveiller ou encore veiller. Alléluia. Veiller et prier. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc le réveil. Quand il y a le réveil, en fait, il n'y a pas de réveil sans la présence de Dieu. Il n'y a pas de réveil sans, mes amis, la persévérance dans la présence de Dieu. Vous voulez le réveil? Vous voulez que les églises se réveillent? Eh bien, il faudrait rester plus dans la présence de Dieu qu'au téléphone avec les frères et sœurs, sur Skype, sur MSN, sur Facebook. Parce qu'il y a deux types de réveil. Si vous êtes plus au téléphone avec vos amis, plus sur le net, sur Skype, Facebook, MSN, vous allez être réveillé, mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire, les pensées impures vont commencer à prendre place dans vos cœurs. Bah oui, le doute, le découragement, l'apostasie, le raisonnement. Mais si tu es dans la présence de Dieu, nuit et jour, Dieu va continuer à te parler. Tu vas être réveillé. Et ton bâton, ton ministère va fleurir. Sinon, rien. Ce message ne concerne pas tout le monde ici. Quand il y en a même, ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Ils glandent. Et nous sommes à une époque où les vrais enfants de Dieu doivent présenter leur ministère, leur bâton, devant le Père, dans sa présence, dans la prière. Pendant des années, vous êtes restés, beaucoup sont restés dans la distraction. Pendant des années, des mois et des mois, les sentiments humains. On était dedans. Oh, ça fait longtemps que je connais cet homme, ce frère, cette soeur. Oh, ça fait longtemps. Mais oui, ça fait longtemps et tu continues à aller. Tu vas aller en enfer. Je veux expérimenter Dieu. Je veux expérimenter le réveil. Ce n'est pas normal que le réveil se limite seulement à John Wesley, à Charles Finney, à Simon Kimbangu, à Kaku Sovera. Ce n'est pas normal. Alors il faut aller devant Dieu. Seigneur, me voici. Seigneur, je te présente ma vie. Je te présente ma famille, mon appel, mon ministère. Seigneur, je veux expérimenter autre chose avec toi. Les hommes m'ont mis la pression pour être découragé. Les hommes ont voulu me décourager. Satan a voulu me polluer. Seigneur, me voici. C'est ton équipe que je veux, Dieu. Frère, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider. Ce n'est pas que je ne veux plus voir des gens, mais moi-même, je veux être dans la présence de Dieu. C'est une course. Oh oui. C'est une course. Et c'est dans sa présence que Dieu me donne des stratégies pour guérir les gens. Des paroles claires. C'est dans sa présence qu'il me donne la force pour tenir. Ben oui. C'est dans sa présence qu'il me donne le discernement. Vous avez vu tout à l'heure, les instruments ne fonctionnaient pas. On était là, on se disait, mais ça... N'est-ce pas? Ça grachouille, c'est cassé. Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire? On envoie deux frères pour aller chercher les instruments au siège. Et Dieu m'a saisi comme ça là. Vous n'avez pas vu ça tout à l'heure. Il m'a conduit jusqu'à la baffe qui est là-bas. Jusqu'à l'enceinte qui est au fond. Et il me fait toucher. J'étais comme téléguidé. Le jack qui est connecté à la baffe. Et c'est ce jack qui était défectueux. Et d'un seul coup, le son est revenu. Vous avez vu? Mais tout ça là, c'est la présence de Dieu. Même dans les choses matérielles, il te guide, il te dirige, il te
Oh my God, oh my God, oh hallelujah, hallelujah, landa la bashala la kasaka la baka. La présence de Dieu. Tu vois? Frère, j'ai toujours dit aux frères et sœurs, depuis que je sers Dieu, je n'ai jamais connu de dette dans le ministère. Jamais. Et je dis, quand une église locale a des dettes, ça veut dire que Dieu commence à la quitter. Ou il a carrément quitté. Je vous dis, frère, Dieu, le Tout-Puissant, qui va appeler un homme à son service et va le laisser dans les dettes. Non, il a dit dans la Bible, tu vas prêter. Tu ne vas pas emprunter comme ça. Non. Non. Frère, réveille-toi. Quand il y a un problème d'argent, je vais devant Dieu. Je lui dis, Seigneur, s'il y a des soucis, ce n'est pas mon nom qui sera blasphémé. C'est ton nom. Parce que moi, là, je me bats pour te craindre. Papa, débrouille-toi. Ce n'est pas un manque de respect. Et je vous assure. Hallelujah. Tu vas voir ton téléphone qui va sonner. Frère Chara, j'ai un don de 800 euros pour TV de vie. Je dis, envoie. Ça, c'est une sœur qui m'a appelé de Bruxelles. Elle dit, comment je vais faire? Elle dit, envoie. Elle a envoyé, frère, je suis allé chercher cet argent à la poste. Et j'ai pris cette enveloppe, le frère. Alléluia, alléluia, alléluia. Et j'ai donné à l'équipe de TV de vie, dit, tenez. Ça, c'est bon Dieu. C'est tout ce... Oh my, la victoire dont tu as besoin, tu ne peux, n'est-ce pas, la procurer, la voir que dans la présence de Dieu. Je dis au Seigneur, Seigneur, si mes ennemis triomphent, j'arrête le ministère. Je vous dis la vérité, dis à ton voisin, il est fou. Mm-hmm. Je dis, s'ils réussissent, moi là, je ferme la Bible, je dis bye bye. Je vous oriente ailleurs. Et là, je vais aller voir, je vais chercher Dieu aux États-Unis. Alléluia! Où je vais en Australie pour qu'ils me disent qu'est-ce qui se passe. Dis à ton voisin, tu vas percer. Tu vas y arriver. Au nom de Yeshua. Alléluia. Frère, Dieu dit à Jérémie, que vois-tu dans Jérémie 1? Jérémie répond quoi? Je vois quoi? Ah, des amandiers, alléluia. Il dit à Jérémie, je veille sur ma pour là. Donc quand si tu vois une amende, ça veut dire que Dieu veille sur sa parole. Donc il va agir dans ta vie. Tu sais pourquoi? Pose-moi la question, pourquoi? Parce que tu as reçu la parole. Et comme il veille sur ta parole, étant donné que tu l'as reçu, donc il veille forcément sur toi. Donc dors en paix. Dis à ton voisin, dors en paix. Personne ne te touchera. Ni tes enfants. Ton mari. Tes enfants. Ta femme. Tes parents. Au nom de Yeshua. Alléluia. Il y a 3 jours, je dormais comme ça. Là. Un démon est venu dans mon salon comme ça. Là. Je n'ai pas parlé à ma femme. Ah, j'étais là, j'étais en prière comme ça. Là. Je me suis endormi après. Là. Dieu me révèle, lève-toi. Je vois un démon. Je dis, oh démon, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait dans son salon le démon là? C'est qu'il est dans le péché. Non, frère. Amen. Je me suis levé, je dis, démon, ici là. Allez. Frère, il a pris ses jambes à son cou. Je dis, ah, c'est bon ça. Et la présence du Seigneur est venue. Oh, Dieu est magnifique. Vous ne savez pas qui vous êtes, hein? Même si tu ne sens pas la présence de Dieu, si tu crains Dieu, Dieu est avec toi. Tu comprends? Chante ses louanges. Et Aaron, pour finir, prend son bâton. Alléluia, 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 amen, alléluia, alléluia. Judas prend son bâton.
aucun fruit. Au nom de Jésus, il n'y a aucun fruit. La puissance de la résurrection, il n'y a aucun fruit. Frère, tu vas crier matin, midi, soir. Je suis apôtre, prophète, docteur, miraculeux, je ne sais pas quoi. Tu vas sortir tous les titres. Rien. Mais voilà quelqu'un avec son bâton qui a fleuri, qui vient comme ça. Il soulève le bâton comme ça, miracle. Il soulève le bâton comme ça, la guérison. Il soulève ici le frère, le réveil. Maintenant, les ennemis vont finir par dire, non, en fait, c'est de la sorcellerie. Bon, si toi, tu es sorcier, moi, je suis sorcier. Si toi, tu es avec Dieu, alors produis-moi le fruit. Satan n'est pas plus fort que Dieu. Alors, ne t'inquiète pas si les gens disent que tu es sorcier, sorcière. C'est une bonne nouvelle.